Et on parle vacances, bien sûr, avec le salon Tourissima qui s'ouvre demain, vendredi, à 10h et tout le week-end jusqu'à dimanche soir, le salon Tourissima. Alors, c'est l'occasion, bien sûr, d'aller faire un petit tour pour avoir des petites idées vacances, des petites idées séjour avec les professionnels du tourisme. Alors, pour nous en parler, justement, nous avons une invitée, Véronique Piguet-Lacroix, qui est directrice commerciale du salon Tourissima. Donc, bonsoir, Véronique. Merci d'être sur le plateau de Grand Lille TV ce soir. Alors, première question, déjà, c'est la 25e édition, hein, à noter, du salon Tourissima. Au bout de 25 ans, si on peut dire, quelles sont les nouveautés, les tendances pour cette année? À quoi faut-il s'attendre? Alors, les nouveautés pour Tourissima 2013, hein, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais la France est vraiment très à la mode. Le Made in France est tendance. Donc, une édition avec une belle palette de représentations françaises. Peut-être plus que les années précédentes, puisqu'on assiste pour la première fois à un salon qui a plus d'offres nationales qu'internationales. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Et comment on l'explique, ça? Eh bien, écoutez, la France est la première destination au monde, puisque les étrangers aiment bien Paris. Et ben, pour une fois, les Français se sont appropriés leur pays. Et moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et donc, du coup, on appelle ça le Made in France, si on peut dire, avec la Seine-Maritime, c'est ça qui est mise à l'honneur cette année. Une destination de proximité qui vient avec une vraie belle actualité, puisque retour de l'Armada et donc des bateaux du monde entier qui viennent s'exposer à Rouen. Donc, l'occasion de redécouvrir un territoire qui n'est pas très loin, mais avec un axe un peu différent, ou en tout cas qui n'est pas là tous les ans. Donc, et puis la partenariat avec le TER qui propose donc aux habitants du Nord de pouvoir y aller à des tarifs très préférentiels. Donc je pense que c'est une occasion à ne pas rater, effectivement. D'accord. Et quand on dit professionnel du tourisme, donc pour le salon Tourissima, ça veut dire quoi en fait? Parce qu'on pense souvent aux agences de voyage du coup, mais pas seulement. Je suppose il y aura qui, tout simplement les stands présents? On pourra discuter avec qui sur place? Alors vous pouvez discuter avec toute la distribution touristique. Alors effectivement, il y a les agences de voyage et les tour opérateurs, mais vous avez aussi beaucoup de territoires qui se sont déplacés, donc des offices de tourisme français ou étrangers, où les habitants de la région viennent parler de leur région. Et le plus bel ambassadeur de sa région, c'est quand même quelqu'un qui y habite. Hein. Et donc, il y a des gens de l'Ardèche, il y a des gens d'Aix-les-Bains, il y a des gens du sud de la France, il y a des gens de la Malaisie, il y a des gens de la Tunisie qui viennent vous parler de leur pays pour vous inciter à y aller. Donc, c'est ça. Et puis après, ben, effectivement, les agents de voyage qui concoctent des petits prix, des bonnes affaires oui, pour que chacun y trouve son bonheur. C'est ce que j'allais vous demander. Du coup, forcément, on s'attend peut-être à quelques bonnes affaires si on va sur place. Est-ce qu'on va pouvoir dénicher un petit séjour, un petit week-end par-ci, par-là avec des offres ou pas? Oui, Tourissima, c'est l'occasion de faire des bonnes affaires. Trois espaces. Donc, un espace réservé aux bonnes affaires de proximité, donc un bonnes affaires Nord-Pas-de-Calais. Un espace bonnes affaires pour les bonnes affaires à faire en France, donc avec de l'hébergement, des transports, des activités à faire sur tout le territoire de l'Hexagone, et puis des bonnes affaires internationales avec la complicité de l'aéroport pour pouvoir s'envoler, et vous pouvez aller jusqu'à la Malaisie, vous pouvez aller au bout du monde. Justement, en termes de destination, est-ce qu'il y a des tendances en ce moment? Est-ce qu'il y a des pays où, justement, au niveau des prix, parce qu'on cherche toujours à partir pour moins cher, je sais qu'à une époque, c'était la République dominicaine, c'était un petit peu à la mode. Est-ce qu'il y a ce genre de destination peut-être là pour le mois d'avril, mai, tendance ou moins cher? Et puis ça vaut le coup, bon rapport qualité-prix ou... Les bons rapports qualité-prix, je pense que chaque pays se met en quatre pour proposer une bonne petite affaire. Alors vous allez trouver effectivement le Maroc et la Tunisie pour le bassin méditerranéen qui sont là de manière récurrente, la Croatie également, et puis les îles, puisque la Martinique, la Guadeloupe et la République dominicaine que vous avez citées, qui sortent d'une très très belle saison, sont également là pour reséduire les voyageurs. Un petit clin d'œil à la Malaisie qui vient avec un jeu pour les enfants, une chasse au trésor. Il faut découvrir des orangs-outans sur le salon pour gagner des cadeaux. À noter d'ailleurs que l'entrée du salon est gratuite hein, pour les moins de 12 ans. Pourquoi pas y aller en famille? Alors si on fait le point justement sur un espace, le salon qui mettra à l'honneur en fait l'espace œnotourisme avec des dégustations pour les gastronomes voyageurs. Qu'est-ce que ça veut dire déjà tout ça? Le œnotourisme, c'est découvrir un territoire et une histoire par rapport au vin. Le vin n'a pas le même goût, n'a pas forcément la même couleur suivant le sol
sur lequel ils poussent. Et au même titre que les années sont millésimées, Tourissima millésime ses espaces de nos tourismes chaque année. L'année dernière, les voyageurs ont pu découvrir tous les coteaux du sud-ouest grâce à l'espace de nos tourismes. Cette année, c'est la Bourgogne qui se révèle avec tous ses trésors. Donc vous pouvez déguster la Bourgogne par rapport à son terroir, donc le vin, mais vous pouvez aussi aller visiter les vignes ou découvrir une magnifique région. D'accord. Et justement, en parlant de région, un petit mot pour terminer, il nous reste une petite minute, sur le Nord-Pas-de-Calais, quatrième région la plus touristique en termes de fréquence, c'est ça? Tout à fait. C'est une région qui est très fréquentée, qui est d'ailleurs très fréquentée par ses habitants eux-mêmes. Et c'est pour ça que l'espace Nord-Pas-de-Calais est présent chaque année sur Tourissima. Des petits coups de cœur avec le musée Louvre-Lens, qui vient présenter donc sa programmation. Et puis Dunkerque, qui sera capitale donc régionale de la culture l'année prochaine et qui vient présenter aussi toutes les festivités. Et puis je voudrais pas vexer certains territoires en les oubliant, puisque moi je suis malheureusement pas nordiste, hein, mais le Nord-Pas-de-Calais se met chaque fois et chaque année en quatre pour reséduire et réinventer le tourisme de proximité, et je pense que ça fait vraiment le coup de venir les voir parce qu'ils sont dynamiques et il faut les saluer pour ça. Bon, bah c'est gentil en tout cas de le noter. Le salon Tourissima s'ouvre donc demain à Lille, Grand Palais, à partir de 10h et jusque dimanche, 8 euros l'entrée. Donc c'est la bonne occasion de bien préparer votre voyage. Voilà, c'est la fin de ce flash, de cette édition. On se retrouve tout à l'heure et tout de suite pour la météo. Restez avec nous.